T'adresses pas directement moi, je suis un peu. Ok. La chanson qui va venir est une chanson de combat sur une musique de Jean-Michel Bouchard. C'est des paroles de Pol Pot. Non, un pote. Pol Pot. Pot. Hubert Pot, c'est un cousin en fait. Bref, il devait parler de cette chanson qui est un petit peu à la gauche ce que la lambada est à un mariage ou le petit bonhomme rouge. Vous connaissez le petit bonhomme rouge? Le petit. Alors, dites-moi quand ça dérape. La chanson qui suit va permettre à un artiste en devenir de pouvoir s'exprimer sur une scène internationale comme celle-ci. Ce cadeau que fait cette jeunesse trépidante qui a envie de mordre la vie à pleines dents comme on mordrait dans un jeune homme comme toi. Cet artiste en devenir, c'est Jean-Marc. Oui, il est là. Certains le connaissent, pour ceux qui ne le connaissent pas, quelle divine surprise. Messieurs, dames, si vous entendez. Ce soir est un soir exceptionnel, puisque nous avons eu la chance en première partie de recevoir Monsieur Paul Léger. Merci pour lui. À bientôt. Pardon, sécurité. J'aime pas ce siège-là. Il est. Oh, le bonsoir! Messieurs, dames, c'est le moment où Pipo m'introduit en général. Ah oui! Messieurs, dames, il y a Dubaï et il y a le Vercors. Autant dire qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment là où il faut chanter. Mon père était tellement de gauche. Systématiquement, la.
des points tout le temps car à l'école, premier rang, j'avais les lunettes de verrière et le dentier d'un volet. Mon père était tellement de gauche, peut-être dans les croyants ça change. J'ai pas quelqu'un qui l'aurait fait, on ne crie de en allant voter. Et même si tout ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai, le socialisme comme paradis où on y croyait. Mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti, au revoir papa, la gauche est partie avec lui. La 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 la, la la. La la la.